Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue avec des accessoires de chez Wendy Sewing que j'ai reçus déjà il y a quelque temps. Donc j'avais pas grand-chose à effectuer en travaux manuels. J'avais un petit porte-document et une petite toile. Alors la petite toile, je vais la faire dans quelques jours, mais pour l'instant j'ai fait le porte-document et je voulais vous le présenter. Donc vous savez que je fais de la broderie point de croix, que je me suis acheté un métier à broder. Et j'ai ma petite boîte avec mes bobinettes, avec tous mes fils qui sont dessus. J'ai ma petite boîte cœur dedans avec mon passe-fil et mes aiguilles. Donc sur mon métier à tisser, je n'avais pas de rangement pour mettre tout ça. Et bah écoutez, le petit sac de rangement de chez Wendy Sewing m'a trouvé une très très bonne utilité. Regardez. Voilà. Il est tout simplement accroché ici sur mon métier à tisser. Donc là-bas à l'autre bout, j'ai une lampe. Donc quand c'est pas branché, la prise va dans la première pochette. La pochette du milieu, donc j'y mets ma fameuse petite boîte cœur que Priscilla m'a offert. Voilà, dedans je mets mon aiguille et mon passe-fil. Et en haut, je mets ma boîte avec mes petites bobinettes. Voilà, j'y ai trouvé une super utilité. Alors, bon, ça a été très rapide à faire. Puisque évidemment, c'est un tout petit article. Voilà, donc il y avait les trois beaux papillons à diamanter. Très très simple, très joli. Aucun souci au niveau de la colle, aucun souci au niveau des diamants. Voilà, les pochettes sont bien. C'est un peu un plastique simili-cuir. C'est pas du cuir, hein, ça c'est sûr, mais c'est quand même d'assez bonne qualité. C'est assez épais. Donc je pense que ça va bien durer dans le temps. Au dos, c'est un tissu. Voilà, vous aviez la petite tirette en bois sur laquelle on vient accrocher le ruban de soie pour pouvoir le pendre. Voilà. En taille, il fait 50 par 20. Il est très très bien. Et Wendy Sewing le vend au prix de 7,99 $. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait raisonnable et franchement, moi j'en ai trouvé une super utilité. Normalement, c'est pour ranger du courrier. Dans le temps, on retrouvait ce produit-là beaucoup dans les cuisines. On triait le courrier qu'on recevait, le courrier à envoyer. Si on était plusieurs personnes dans la famille à recevoir du courrier, chacun avait sa petite pochette avec son courrier. Voilà. Et moi, j'avais pas vraiment la nécessité de le mettre pour faire cet office. Donc, je l'ai trouvé très utile pour ma broderie point de croix. Voilà, je suis très très contente. Pour moi, c'est impeccable. Alors, pour faire ce petit article, j'ai aussi utilisé des accessoires que j'ai pris aussi chez Wendy Sewing. Donc, j'ai utilisé le fameux stylet à recharge de cire avec le système de poussoir qu'on visse, là, le système de... Ouais, un poussoir à vis. Par contre, il faut y aller vraiment avec parcimonie, hein, parce que si vous tournez beaucoup trop fort sur cette petite vis, ça sort énormément ici. Donc, faut vraiment y aller, mais tranquille, tranquille. Par contre, je ne vous le conseille pas particulièrement pour les diamants roux ou les diamants carrés. Par contre, pour les diamants spéciaux, il est très bien. Le cercle qui est au bout du stylet, voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est beaucoup trop large. Donc entre chaque diamant rond, ça a quand même du mal à passer. Par contre, oui, pour les gros diamants spéciaux, c'est très très bien. Ensuite, pour faire l'organisation des diamants de ce petit sac, j'ai utilisé donc la fameuse petite pochette avec les 18 rangements que je vous avais aussi présenté dans le unboxing. On avait des sachets zip qui étaient fournis, plus une planche d'étiquette. Donc je m'en suis servi, j'ai mis tous mes diamants dans les petites pochettes zip, j'ai mis les petites étiquettes sur chaque sachet, nain de Dieu, c'est pas facile à dire, mes petits sachets zip, je les ai mis chacun dans les petites pochettes. Donc quand je voulais faire mon ouvrage, je pouvais tout retrouver facilement. Voilà, pour le petit sac de rangement, vous voyez, il me reste beaucoup, beaucoup de diamants.
Donc, comme ce sont que des strass et des diamants spéciaux, je les laisse dedans et je les conserve. Voilà. Et pour protéger aussi mes petits doigts, j'avais aussi utilisé les fameux pochons. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que pour la vidéo, je suis vachement raccord avec le matos, quoi. Les pochons pour les doigts sont rouges, la pochette, elle est rouge, et moi, j'ai un hoquet rouge. Franchement, c'est pas voulu, hein. Hop, voilà, les petits pochons, les petits protège-doigts qu'on met comme ça. Ça, c'est super bien. Je trouve ça très, très bien. Vous voyez, j'ai vraiment bien utilisé tout le matériel que OneDaySaving m'a envoyé avec le partenariat. Je vous dis, il n'y a plus que la petite toile. La petite toile, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est un petit peu sur des fonds gris. Et c'est une jeune fille un peu multicouleur qui est en train de croquer dans une pomme arc-en-ciel. Il faut que je la fasse. Oui, il faut que je la fasse. Ça ne va pas tarder. Mais voilà. Donc ce petit rangement est terminé et j'en suis très satisfaite. Alors je vous refais un petit récap de tout ça. Alors le sac de rangement papillon que moi j'utilise pour mes broderies point de croix est au prix de 7,99 $. Les petites protections pour les doigts. Vous en avez 5 dans un petit pochon. Il y a différentes couleurs, je ne sais plus lesquelles. Du violet, du noir, peut-être un jaune aussi, je crois. Donc les 5, vous les trouverez au prix de 3,69 $. Le sac de voyage en feutrine qui mesure 28 par 20 par 5, qui comprend 18 petites pochettes, vous le trouverez au prix de 6,99 $. Il existe aussi en couleur violette. Voilà, et le stylet. Le stylet rose, voilà, avec le bloc de cire à vis rotative, vous le trouverez au prix de 3,76 $. Voilà. Et ben écoutez, moi je remercie encore une fois OneDaySaving pour son partenariat. Franchement, je suis très contente des accessoires. C'était impeccable, c'était très utile, je trouve ça de très très bonne qualité. Et ce petit rangement, franchement, moi j'en suis ravie. Et oui, bah, il ne me reste plus qu'à faire le petit diamond painting. Voilà, je fais comme d'habitude, je vous remets en barre de description le lien pour aller chez OneDaySaving, le lien de chaque article que je viens de vous présenter. Et j'ai un code d'affiliation de 10% pour vous qui ne me rapporte absolument rien. C'est vraiment pour vous si vous voulez vous faire plaisir. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Moi, je retourne à mes activités. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!